Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Bibliogrill qui se demande ce mois-ci si les bibliothèques peuvent vraiment innover. En effet, je ne suis pas sûre que l'innovation soit la qualité la plus généralement associée dans l'imaginaire collectif aux bibliothèques, au contraire peut-être de l'idée de conservation, voire d'un certain conservatisme. Pour répondre à cette question, nous avons le grand plaisir de recevoir Mathilde Servet. Bonjour Mathilde. Bonjour Élise et merci de m'accueillir ce matin. L'innovation est le métier de Mathilde puisqu'elle est chargée de mission services innovants des bibliothèques de la ville de Paris. Et avant de poser ma première question, je rappelle que le rendez-vous est aussi le vôtre et que vous pouvez poser vos questions direct sur Facebook ou sur le site BPI Pro. Je les transmettrai à Mathilde dans la seconde partie de notre discussion. Alors pour commencer, il faut définir les termes de notre débat et le terme principal. Qu'est-ce que l'innovation en général et l'innovation en bibliothèque en particulier, Mathilde ? Alors, l'innovation publique, elle se distingue de l'innovation dans le secteur du privé. En tout cas, l'idée dans le secteur public et en bibliothèque, hein, c'est que ça renvoie à la volonté d'améliorer les choses, hein, c'est-à-dire qu'on va tenter de réformer le service public, d'améliorer finalement l'expérience des personnes et puis de transformer parfois des craintes par rapport à la société actuelle en espoir. Hein. L'idée, c'est que l'innovation, elle soit porteuse de promesses de transformation sur le plan social, politique, culturel, et qu'on apporte finalement des réponses à des besoins, des problématiques précises hein, dans un contexte donné. C'est à la fois une méthode, c'est un état d'esprit, c'est des actions. En fait, quand le système traditionnel ou conservateur, comme tu l'évoquais, est plus forcément adapté, on va aller chercher d'autres façons de faire, mais ce n'est pas une solution miracle non plus. Hein. L'idée, ce n'est pas d'aller chercher du rendement, de l'efficacité absolue, mais d'être dans une innovation humaine, éthique, hein, qui est porteuse de sens. Il y a un philosophe de l'innovation qui s'appelle Thierry Munissier, et lui, il dit que l'enjeu principal, c'est de réinventer du sens commun hein, à partir de ce qui est vraiment fondamental pour l'humain, au cœur de son environnement vital et sociétal. Et que notre temps, c'est peut-être plus celui des transitions hein, énergétiques, environnementales, sociétales, démocratiques, que de l'innovation, et donc ça a des répercussions en matière d'économie circulaire, de biomimétisme, de résilience, de gestion des communs culturels, hein, par exemple dans les bibliothèques aussi. En tout cas, si on parle d'innovation, il faut vraiment, dans le domaine public et dans les bibliothèques, la relier à l'éthique pour aller vers un type de société souhaitable pour les gens. Hein, et on est vraiment dans l'innovation de sens. Voilà. Merci. Il y a deux termes qui sont souvent associés à l'innovation en bibliothèque que j'aimerais que tu nous définisses et que tu nous dises s'ils sont indifférents ou au contraire, quelle est leur différence. C'est le tiers-lieu et le troisième lieu. Alors, ce n'est pas tout à fait la même chose. Au départ, le troisième lieu, c'est un concept qui a été forgé par un sociologue urbain, Ray Oldenburg. Donc, le troisième lieu, à minima, ça va être un espace de rencontre qui va mêler des gens de tous horizons, alors de tous âges, de toutes classes sociales, de toutes conditions, et qui va favoriser finalement l'épanouissement de la vie collective, du lien relationnel entre ces différentes personnes qui va renforcer le capital social. La bibliothèque, elle est parfaite pour ça. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucun établissement public aussi ouvert et qui brasse des publics aussi divers. La différence avec le tiers-lieu, c'est que les bibliothèques peuvent être aussi un tiers-lieu, mais pas toujours. C'est que dans le tiers-lieu, on va être dans le faire, la production, dans un travail de conception en commun. Hein. Ça va être des personnes qui vont se réunir et qui vont concevoir, administrer un objet, ça peut être un logiciel, un service, une organisation, sans relation de subordination, en le gérant comme un commun et en le documentant. Après, il y a plein de marqueurs communs entre ces deux pôles, entre troisième lieu et tiers lieu. Ça va être le brassage social et intergénérationnel, l'esprit de communauté, d'être un espace de sociabilité, d'être un niveleur social, d'être accessible, hein, d'être un espace facilitateur pour connecter les différentes personnes, des acteurs, des activités. On va être dans le partage, dans la co-création, dans l'acception des droits culturels.
on va créer des projets justement en mode horizontal. Et l'idée, c'est vraiment d'être un lieu, un espace d'expérimentation, d'exploration, de transition qui va permettre de promouvoir de nouvelles valeurs. Hein. Et ça peut servir d'élément central de la gestion de la société parce qu'on va reconstruire, on va remailler les choses ensemble au plus près des gens, en fait. Merci beaucoup. Innovation, quand on pense innovation, on pense innovation numérique, on peut penser aussi innovation sociale, on peut innover dans les services. Quels sont en fait les différents champs dans lesquels les bibliothèques peuvent innover? Alors, ça peut être toutes sortes de domaines. Hein. Par exemple, à la ville de Paris, on a un des objectifs principaux de la mandature de notre maire actuelle, c'est de déployer la ville de quart d'heure à l'échelle de la ville de Paris, c'est-à-dire de recréer des villages, de faire en sorte qu'à un quart d'heure de chaque usager, on puisse faire tout un tas de choses, se cultiver, travailler, faire du sport, sociabiliser, etc. Et l'idée, par exemple, justement, quand on a une directive qui est plutôt horizontale comme celle-ci, c'est par exemple avec tout le réseau de la ville de Paris, on avait commencé une expérimentation pour réfléchir avec une centaine de collègues pour s'emparer de cette politique de la ville du quart d'heure et pour que ça fasse le plus possible sens sur le terrain dans chaque bibliothèque, puisqu'on en a 68. Et en voyant aussi, justement, en matière d'innovation, que finalement, on était déjà, ça a permis de montrer cette expérimentation qu'on était déjà finalement l'incarnation de la ville du quart d'heure, puisqu'on maille tout le territoire, mais c'est plutôt comment on va se rendre plus visible sur ce territoire plutôt que d'inventer nécessairement des nouvelles choses. L'innovation, ce n'est pas toujours un empilement de nouvelles idées, c'est plus de la transformation, de la visibilité, comment on va donner davantage de la parole aux gens, faire lâcher du pouvoir à l'institution. Hein, c'est ce qui est fait, par exemple, en Bretagne, à l'espace 4C à Rennes, où les usagers peuvent proposer tout un tas de choses, parler en espagnol, parler du cycle des déchets, etc., documenter le Wikipédia de la commune, etc. Mais là, on va donner un espace dans la bibliothèque. La bibliothèque va apporter de la logistique, va apporter de la communication, va apporter des outils en intelligence collective. Et après, on laisse finalement les usagers échanger leur forme de savoir. Languidic a fait quelque chose comme ça aussi en Bretagne, hein, en créant une plateforme d'échange des savoir-faire qui, derrière, a généré plein de choses vertueuses, de l'entraide entre usagers, du covoiturage, des regroupements de parents, par exemple, qui ont des enfants 10 et qui s'entraident, etc. L'idée, c'est de sortir d'une approche trop centralisée, de faire du sur-mesure en fonction du contexte. Avant, par exemple, à la ville de Paris, si on parle aussi d'innovation sociale, on avait un partenariat central avec les hôpitaux psychiatriques, où les infirmiers psychiatriques devaient venir deux fois par an chercher dans notre réserve des livres. En fait, ça ne marchait pas parce que les infirmiers psychiatriques, ils sont très pris par le temps, ils sont sous-effectifs. Ce n'étaient pas les bons livres. Donc maintenant, en faisant du partenariat local, en faisant du maillage très étroit, ça donne lieu à plein de formes innovantes d'action avec les patients psychiatriques, notamment à la bibliothèque Amélie, qui est dans le même bâtiment qu'une entité psychiatrique. Les équipes se sont même mises à déjeuner ensemble, à faire la galette des rois ensemble, ça crée du lien social. Et du coup, les enfants autistes sont accueillis très régulièrement à la bibliothèque et les familles qui n'osaient plus sortir dans l'espace public avec leurs enfants, parce que c'est des formes d'autisme très prononcées, hein, bruyantes, où les gens bougent beaucoup leur corps, se frappent, etc., ça leur permet de revenir dans l'espace public. Donc là, par exemple, c'est une forme d'innovation vraiment bénéfique parce qu'on fait du sur-mesure. Donc, c'est un peu un changement d'échelle et un changement d'état d'esprit qui permettent d'innover dans ce que tu nous racontes. Oui, en fait, il faut faire une grande place à l'intelligence émotionnelle. Hein. Il faut relier nos objectifs qui sont parfois un petit peu secs dans des tableaux Excel et passer d'un système un peu égotique, un système plus éco, c'est-à-dire on va travailler avec l'écosystème, finalement d'une perspective en silo à une perspective plus globale, on va cultiver et soigner l'ensemble des partenaires de son écosystème et coproduire ensemble avec tous les acteurs, avec toutes les parties prenantes, hein, et y compris les usagers, mais on va prendre aussi le temps de l'écoute, hein, c'est-à-dire qu'on ne va pas être dans une écoute superficielle, mais on va être dans un mode d'écoute très approfondi, empathique et génératif de nouvelles idées, se replacer finalement dans la position de l'autre, de l'usager, des collègues, bien comprendre les différences de culture professionnelle pour trouver finalement des territoires féconds d'entente et puis aussi permettre, ce qui n'est pas facile dans l'institution, donner le droit à l'erreur, hein, permettre de se tromper, permettre de tester, d'expérimenter, être dans l'action et pas seulement dans la conception. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment partir du terrain, du sensible, sortir d'une culture pure de la gestion et opter plus
pour des modes de travail horizontaux, en fait. Hein. Et finalement, c'est l'innovation, elle va aider à lever un tas de freins, hein, des freins qui vont être liés, par exemple, on veut toujours que les services ils fonctionnent tout de suite, qu'ils soient opérationnels tout de suite. Donc, justement, c'est accepter l'erreur. On veut toujours que ça soit efficace tout de suite. Or, là, il faut plus s'inscrire dans du temps long. On est souvent persuadé qu'on a raison. Or, chacun a juste une vision différente pour des motifs et bien précis. Et donc, il va falloir travailler cette intention commune en profondeur pour arriver à s'engager dans des projets qui fonctionnent. Par exemple, en ce moment, on travaille sur un projet à la Canopée, dans les Halles, sur un hall d'accueil commun partagé avec la médiathèque, le centre de hip-hop et la maison des pratiques amateurs. Et pour avancer sur ce projet, il fallait bien mettre sur la table les valeurs de chacun, les missions de chacun, y compris les zones d'achoppement hein, ou de tension, pour qu'on avance vers une vision commune de ce hall partagé. Si on ne creuse pas ça nécessairement, ça ne peut pas marcher ensuite. Il y a la notion de collectif qui revient beaucoup dans ce que tu dis. Tu parles de commun, d'intelligence collective. Et je me demande déjà comment on crée le collectif au sein de son équipe, comment on embarque ses collègues, parce que changement d'état d'esprit peut demande l'innovation peut aussi susciter des résistances. Est-ce que tu as des conseils à donner là-dessus, voire des outils très Alors, en fait, c'est surtout une question, moi, je suis plus dans la posture que dans les outils, parce que c'est surtout une question d'état d'esprit. Hein. C'est surtout d'avoir une forme d'humilité, hein, de savoir qu'on est beaucoup plus intelligent à plusieurs que tout seul. On n'a jamais les meilleures réponses tout seul, mais avec les autres. Et ce qu'on essaye de faire avec les partenaires et les usagers, il faut le faire en interne. L'innovation, elle doit se faire en interne et en externe. Si on n'a pas un mode collaboratif en interne, on ne pourra pas aller vers un mode collaboratif en externe. Donc, c'est beaucoup lié à l'interconnaissance, c'est-à-dire à connaître un peu les perspectives, les ressentis, les besoins de chacun et comment on va prendre le temps de la sécurité émotionnelle. Si on n'est pas en sécurité émotionnelle, en confiance avec les autres, en fait, on ne va pas arriver à développer des choses communes. Donc, ce temps-là, dans toutes les démarches collectives, qu'ils soient avec une équipe en interne ou qu'ils soient avec des personnes en externe, il est hyper important. Après, il y a différentes phases. Hein. On va partager ces représentations. Chacun, par exemple, dans le cadre de ce hall commun, chacun finalement avait une vision différente. Et pour y aller, il faut vraiment bien travailler les valeurs. Et ensuite, on va travailler sur une vision commune et on va utiliser des outils qui peuvent être des outils créatifs pour aboutir à un diagnostic et ensuite un plan d'action. Là, par exemple, dans ce cas-là, sur l'envie de ce hall partagé de son identité commune, les collègues ont établi tout un tas de choses à prototyper. Que ça concerne l'aménagement de l'espace, sa visibilité, sa signalétique, son organisation en termes d'activité. Alors, c'est les activités qui vont avoir lieu dans l'espace, mais c'est aussi la façon dont les collègues s'organisent entre eux pour que cette gestion de l'espace soit la plus fluide possible. Justement, là, tu nous parles d'un cas particulier qui est en cours, qui doit aboutir à un résultat. Est-ce qu'à un moment, l'innovation est réalisée et le processus est fini, ou est-ce que c'est un processus qui s'arrête fait, pas bah, ça s'arrête Est-ce qu'on pas a innové à un moment donné Ça dépend dans quel type de projet. Ça dépend dans quel type de projet tu t'inscris. C'est-à-dire que là, dans un hall commun partagé qui doit servir d'espace de coworking, de vie, d'expression culturelle, etc., c'est forcément un projet qui est mouvant et qui va continuer à vivre. Mais quand on a posé les bases de la gestion de cet espace et des valeurs communes qui l'irriguent, c'est déjà plus facile. En revanche, si par exemple, tu as un projet sur les collections, je ne sais pas, sur des collections, un certain type de collection, là, ça va peut-être moins bouger, quoique. Mais en fait, les choses, elles ne sont jamais statiques, elles sont en évolution permanente. Et toute une partie de l'innovation, c'est aussi effectivement d'accompagner les collègues dans la transition, dans le changement. Parce qu'un changement, c'est jamais facile pour personne, hein. Même quand on est chargé de mission service innovant. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Mathilde. Nous arrivons au terme du temps imparti à notre dialogue. Et nous ouvrons maintenant la discussion aux questions posées par les collègues qui nous ont suivis. Avec une première question qui souligne les belles valeurs que tu lis à l'innovation.
Et c'est des valeurs qui ne sont pas toujours portées par des institutions qui sont verticales, les nôtres, voire d'autres questions. Comment on promeut dans les institutions et dans le service public les valeurs de l'innovation réelle? Alors là, il y a tout un travail à faire avec la hiérarchie, l'innovation, pour que ça marche. Ça doit être couvé, ça doit être protégé, ça doit être là, l'institution. Il faut qu'elle sorte de ce rapport parfois un peu schizophrène, c'est-à-dire qu'à la fois, elle pousse l'innovation dans des journées d'études ou dans des rapports d'activité, mais si on veut la déployer à plus grande échelle, il faut vraiment permettre cette zone. Moi, je me rappelle de la directrice des bibliothèques de Cologne qui disait qu'ils étaient une bibliothèque à 90% classique, mais à 10% très innovante. Et ces 10%, il faut laisser de la liberté dans ces 10%. On va bien cadrer ce qu'on peut faire, par exemple, ça ne doit pas coûter cher, ça doit concerner tel type de politique, etc. On borde bien le champ de l'innovation, mais après, à l'intérieur, on laisse faire. On laisse faire et on lâche du pouvoir, sinon on ne peut pas innover. D'ailleurs, tu viens de soulever un point que j'ai omis d'aborder tout à l'heure, c'est le coût. Est-ce que ça coûte l'innovation? Alors, l'innovation, ça ne coûte pas forcément très cher. La plupart des choses qu'on fait, par exemple ce partenariat en innovation sociale et psychiatrique, ça ne coûte strictement rien, si ce n'est du temps. Et ça, par contre, ça coûte du temps de travail, c'est long. Et si on ne prend pas nécessairement le temps du vrai dialogue, hein, il faut vraiment créer un espace de dialogue au long cours, hein, et où tout peut être déposé, hein, les aspects positifs, mais aussi les tensions qui peuvent exister. Parce que si on ne met pas vraiment les choses sur la table, on n'avance pas. Et c'est ça qu'ont du mal parfois à faire les équipes ou les responsables d'établissement, ils ont parfois, ou les élus, c'est-à-dire qu'on veut à la fois un truc innovant, un peu baguette magique, elle est un peu poudre aux yeux, mais c'est, la vraie innovation, c'est l'inverse de ça. C'est l'investissement humain, c'est dégager du temps, et ça prend de se réunir régulièrement, etc., de discuter, c'est non négligeable en termes d'investissement. Si on n'est pas prêt à faire ça, il vaut peut-être attendre d'être plus mûr pour le faire. On a justement une question un peu poil à gratter qui rebondit, qui fait écho à ce que tu disais sur le fait que nos institutions peuvent pousser l'innovation sans forcément la permettre réellement. Est-ce qu'on doit tout le temps innover? Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'essoufflement à force d'une injonction généralisée à l'innovation? Non, il ne faut absolument pas toujours innover. C'est exactement ce que j'expliquais avant. Et l'innovation, ce n'est pas forcément avoir 1000 idées à la minute du tout. C'est plus de la transformation. C'est se poser la question, placer l'usager bien au centre et se dire qu'est-ce que ça lui apporte finalement, ce type de service, qu'est-ce que ça produit en lui comme ressenti, est-ce que ça répond vraiment à ses besoins, etc. Donc, par exemple, je pense à la bibliothèque de New York qui, pendant le Covid, a réalisé que ses programmes en ligne connaissaient une recrudescence. Ils ont continué après le Covid et ils proposent tout un tas de contenus sérieux, c'est-à-dire autour d'apprentissage autour du numérique, comment créer un site web, tout un tas de choses comme ça. Et ça cartonne. Il y a 100 000 abonnés, donc ils ont doublé par rapport à leur nombre d'abonnés d'avant, et c'est voir est-ce que ça répond aux besoins des gens, est-ce que ça leur apporte quelque chose, et si oui, là on y va, mais c'est aussi savoir arrêter des choses qui ne font plus sens, et puis c'est savoir décider, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout faire en même temps, si on veut faire 1000 choses, on les fait mal, donc il faut décider aussi de ce qu'on fait. Est-ce que c'est toi qui formes tes collègues, ou est-ce qu'il y a d'autres organismes qui existent pour faire germer l'innovation, former à l'innovation? Alors moi, j'ai plein de collègues innovants naturellement dans mon réseau. On est 1300 collègues. L'innovation, c'est des choses qui peuvent s'apprendre en partie, effectivement, sur la partie outils ou sur la partie méthodologie. Mais c'est surtout un état d'esprit, un état d'ouverture, de vouloir partir du terrain avec les différentes personnes qui sont concernées. Et il y a plein d'innovations qui se font totalement sans moi. Moi, j'essaye juste de faciliter les choses par moment. Mais de toute façon, je suis seule, je suis chargée de mission et je suis seule avec un apprenti et une stagiaire en ce moment. Donc, je ne peux que m'appuyer sur les collègues et que travailler avec eux, parce que sinon, je ne pourrais pas faire grand-chose, en fait. Donc, plus facilitatrice que formatrice. Voilà, mais les formations, il faudrait qu'on en ait. Mais pour l'instant, c'est balbutiant, je dirais. Mais une formation que je peux recommander, qui est dispensée par le CNFPT, c'est la théorie U, qui permet de travailler très bien tout ça et justement d'aller vraiment creuser les intentions communes de départ et qui outille très bien, mais là aussi ça s'inscrit vraiment dans le temps long. Merci.
Merci pour ce... Il y a un MOOC gratuit. Il y a un MOOC gratuit en ligne et c'est un MOOC connectiviste qui permet de relier des gens en France et ailleurs sur des thématiques, par exemple le développement durable en bibliothèque ou dans d'autres contextes, ou comment on avance vers une société plus décarbonée. Moi, j'ai participé par exemple à deux groupes expérimentaux sur du co-living et des anciennes personnes issues du monde du pétrole qui souhaitaient faire une société plus décarbonée. Donc, ça peut être plein de domaines différents. Et ce MOOC, il est très intéressant parce qu'il relie des personnes du domaine public et du privé et il cherche plein de points à faire émerger plein de points de jonction, en fait, inattendus. Alors, on nous demande, est-ce que, en fait, ce qui est innovant, c'est la manière de faire et pas ce qui est fait ? Est-ce que c'est une transformation du rapport au travail ? Alors, c'est les deux, je dirais. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut vraiment faire les choses dans une façon, effectivement, beaucoup plus systémique, collaborative. Mais quand on a une façon beaucoup plus horizontale de faire les choses, il y a d'autres choses qui vont émerger qu'on n'avait pas nécessairement prévues. Parfois, ça répond à des manques. Parfois, c'est juste saisir des opportunités. En ce moment, on est en train de développer un grand partenariat parce qu'il y a un programme de randonnée tout autour du Grand Paris qui valorise le territoire du Grand Paris avec des botanistes, des philosophes, des cuisiniers, des romanciers, etc. Et les bibliothèques vont se greffer à ces randonnées qui font découvrir tout le Grand Paris jusqu'aux Jeux Olympiques en ponctuant les randonnées de lecture, en valorisant finalement tout le patrimoine littéraire sur le Grand Paris. Et là, c'est un hasard de rencontre, c'est savoir saisir les opportunités aussi, c'est répondre au manque et savoir saisir les opportunités, c'est les deux. Ouais. C'est une qualité d'attention aussi à ce qui se passe et ce qui se produit. C'est d'être toujours un peu, d'avoir les antennes toujours très ouvertes et de sortir vraiment d'une perspective auto-centrée. Et aussi savoir travailler avec d'autres types de professionnels. La bibliothèque, c'est une plateforme des possibles. Il n'y a aucun endroit qui permette de relier aussi bien différents acteurs parce qu'on a les lieux, on a les publics. Et en fait, la plupart des partenariats qu'on fait sont gratuits, d'ailleurs, mais parce que ça apporte quelque chose à chaque partie. Et souvent, les usagers préfèrent venir en bibliothèque quelquefois ailleurs. C'était le cas à la BPI quand on avait monté ce grand partenariat avec la Cité des métiers sur la recherche d'emploi. Pôle emploi était venu nous voir et nous avait dit « Mais pourquoi il y a plus de monde dans vos ateliers à la BPI que chez nous à Pôle emploi ?» Mais parce que la bibliothèque, c'est neutre. Ça apporte cette neutralité. Ça ne stigmatise pas, on enlève les étiquettes parfois de demandeurs d'emploi, SDF, personnes âgées en difficulté, etc. Et la bibliothèque, elle permet cette neutralité bienveillante où on est mélangé avec d'autres. Et en fait, on peut bien plus innover en bibliothèque que dans d'autres institutions publiques. Tu as parlé de tes collègues naturellement innovants, mais comment on fait pour embarquer ceux qui ne le sont pas ? Et est-ce qu'il faut les embarquer forcément d'ailleurs ? Alors, je dirais qu'il ne faut pas forcément les embarquer. Il faut donner envie. Par exemple, si je reprends la question de ce partenariat avec la Cité des métiers, au départ, l'accueil de ce partenariat n'était pas très bien perçu chez les collègues à l'époque à la BPI bibliothécaire. On a fait un programme d'acculturation mutuelle entre la Cité des métiers et la bibliothèque. Il y a 50 collègues de la BPI qui sont allés à la Cité des métiers et finalement, ils ont appris énormément de choses mutuellement sur l'accueil, sur ce qu'on pouvait proposer aux usagers, et quelque chose qui était perçu au départ comme négatif, n'étant pas le rôle de la bibliothèque nécessairement, a été très bien perçu par la suite, en tout cas par un grand nombre de collègues. Mais je dirais que quand les gens n'ont pas envie, il y a suffisamment de gens qui ont envie. Par exemple, on a commencé à créer une communauté apprenante à la ville de Paris autour de l'innovation. Et il y a plein de collègues qui ont que ça tente, qui ont envie d'essayer de faire des choses différentes, qui travaillent de façon très, très proche, de toute façon, avec les usagers au quotidien. Donc ça, ils l'ont déjà. Ça fait partie du cœur de notre métier. Et quand il y a cette envie commune, on a créé du coup aussi dans notre OSDE, notre service de documentation et des échanges, une salle dédiée à l'innovation et au numérique. Et là, les collègues échangent des savoirs en pair à pair, etc. Et en fait, ça fait plein de rebonds. Ça crée une dynamique vertueuse, finalement, une dynamique dans laquelle on a envie de s'inscrire parce que c'est une dynamique d'entraide, de découverte et ça bourgeonne en termes de projets et d'apprentissage, en fait. Donc, c'est le lien un peu, la condition sine qua non. C'est toujours le lien. Le lien, c'est la base de tout. C'est ce qui se passe, c'est ce qui est prégnant dans l'approche troisième lieu ou tiers lieu et dans l'innovation. C'est la... Quand on a un terreau qui est la qualité de la relation à l'autre et la qualité de l'écoute, là-dessus, on peut bâtir énormément de choses. Mais il faut que ce lien
soit authentique et sincère. Tu as parlé de communauté, de communauté apprenante. On a commencé en travaillant sur des définitions. Est-ce que tu peux définir la communauté apprenante? Alors, une communauté apprenante, c'est un peu justement la même configuration sociale qu'un tiers-lieu, c'est-à-dire que chacun va apporter en fonction de ses expertises un peu une pierre à l'édifice et va apprendre des autres. Alors, il y a des méthodes. Hein. Il y a Peter Senge qui est un universitaire américain qui a écrit tout un ouvrage sur la communauté apprenante. Il y a des méthodes pour la monter, mais justement, des choses pour y parvenir, c'est tout ce qui est intelligence collective, mais les méthodes du design aussi, que ce soit de service, ça peut être le design thinking, l'UX design, le design de fiction aussi, la façon dont on va se projeter aussi, le design de prospective. Hein. Aujourd'hui, on fait beaucoup de design fiction pour imaginer le futur, on s'en sert même en milieu universitaire. Hein. Il y a des recherches universitaires entières qui sont faites sur le design fiction. Et c'est comment on va utiliser tous ces outils pour alimenter la communauté en réflexion. C'est un peu une réflexion permanente, nourrie par la vision des uns et des autres. Par contre, ça demande du temps pour que ça soit coordonné. Donc là, on avait commencé à lancer ça, mais on n'a pas pu, pour l'instant, poursuivre l'expérience parce que ça demande beaucoup de temps. Alors justement, mais on le fait de façon plus informelle, justement, entre nous. Voilà. Ouais. Et oui, et le problème de l'informel, c'est que... il peut se réduire à peau de chagrin aussi. Alors là, il est assez vivant quand même. Hein, on est quand même très nombreux, c'est notre force aussi, en tout cas pour parler du réseau parisien. Mais je dirais que ça, dans plein de bibliothèques, dans plein d'endroits, il y a quand même à chaque fois des petites bulles très actives d'expérimentation, d'innovation, de... En plus, on a des thématiques fortes hein, qu'on partage tous, comme la sobriété, le développement durable, où là, de toute façon, ça fait vraiment un sens profond, je dirais, pour les gens qu'on dessert, les usagers, mais aussi pour les collègues. Donc, c'est plus facile. En fait, quand ça s'aligne avec ses valeurs propres et ses enjeux propres, c'est toujours plus facile d'avancer. Donc, le temps est nécessaire, mais tu parlais aussi de confiance, d'accepter l'échec, etc. On nous demande si tu n'as pas l'impression de nager contre le courant qui, l'air du temps, n'irait pas vers ce léger lâcher-prise et cette acceptation d'une absence potentielle de résultats immédiats. Alors, ça dépend d'où on parle et où on vit. Moi, qui suis très liée au monde des tiers-lieux, j'ai plutôt l'impression de vivre en plein dans ce mouvement-là, mais parce que j'ai choisi de vivre dans ce mouvement-là aussi. C'est-à-dire, moi, je vois des endroits, pour parler d'autres familles de tiers-lieux, comme le Centième Singe à Toulouse, qui est un tiers-lieu un tiers-lieu agricole qui réunit plein d'acteurs de l'agriculture qui sont en train de reconstituer toute une ceinture verte autour de Toulouse pour contrer la sécheresse à venir et pour que Toulouse soit autonome à un niveau alimentaire. Des expérimentations comme ça, il y en a partout en France, il y en a plus de 3000, et en fait, c'est très poreux avec l'innovation publique. D'ailleurs, on travaille souvent avec des partenaires des tiers-lieux où les bibliothèques sont très mobilisées dans les partenariats avec les tiers-lieux. Effectivement, on a un système qui est plutôt pas toujours très souple, mais l'idée, c'est de faire parfois du hacking bienveillant du système et d'insuffler autre chose dans ce système qui nous garantit par ailleurs d'autres avantages. Hein. Les modèles économiques des tiers-lieux sont fragiles. Nous, on a un modèle économique, on n'a pas, on va pas aller travailler sur les finalités marchandes. Donc, ça nous permet aussi de faire tout un tas de choses grâce à cette institution. Et en même temps, on est garant de l'intérêt général. Donc, l'institution offre aussi plein de choses. Mais c'est comment, tout en étant l'institution, on va réussir à lâcher du pouvoir, à faire entrer de la souplesse, à faire entrer de l'humain, à sortir de la culture du tableau Excel pour aller vers des valeurs plus universelles et qui font beaucoup plus de sens, vers un socle commun, en fait, de choses qui nous portent. Et puis, dernière question, est-ce que tu peux nous rappeler, nous répéter le nom du MOOC et de la formation dont tu nous as parlé? Alors, le MOOC, c'est un MOOC sur la théorie U. C'est en forme de U parce que justement l'idée c'est d'aller bien en profondeur dans ce qu'on veut aller transformer et pas parce que souvent on met des sparadraps sur des problèmes et on règle pas les choses parce qu'on va pas vraiment creuser les raisons de ce qui fait que ça marche pas. Par exemple, j'ai entendu parler hier d'un projet en Finlande où ils étaient qui a permis de passer de 17 500 SDF à 3 500 SDF, mais parce qu'on a pris le temps
de vraiment extrêmement bien réfléchir aux causes et de tester des choses, d'expérimenter des choses pour trouver d'autres types de solutions à ce problème. Si on ne va pas vraiment en profondeur dans la nature des problèmes et de comprendre ce qui peut les générer, on ne va jamais changer les choses. Mais l'idée, c'est de faire des... de créer des bulles d'utopie concrètes comme ça qu'on va essayer de mettre en œuvre. Mais c'est le cas dans plein d'endroits, hein. C'est vraiment pas que l'utopie. J'ai visité l'année dernière une bibliothèque à Oslo, et vous allez la visiter d'ailleurs avec la BPI, puisque j'en avais parlé avec Eleonore, qui s'appelle Grüner Loka. C'est une bibliothèque, aux abords de la bibliothèque, il y avait plein de problèmes de drogue, de prostitution, etc. Et ils ont généré avec les usagers... et les collègues et tout un tas de partenaires locaux, tellement d'actions. Ils ont commencé à déployer des festivals autour de la BD, sur la place, des rassemblements festifs, etc. Et aujourd'hui, l'ambiance aux abords de la bibliothèque, voire dans le quartier, a complètement changé. Les familles sont revenues, les personnes âgées aussi. Et on voit bien comme la bibliothèque pensée collectivement, elle peut servir d'outil politique de changement de la ville. Et elle peut régénérer un quartier... et là, on est vraiment dans du développement durable. Le développement durable, ce n'est pas seulement l'écologie, mais c'est toute la partie humaine qu'il faut prendre en compte aussi. Merci infiniment, Mathilde, pour tes réponses enthousiasmantes. Merci à toi, Élise, et à la BPI. Toute l'équipe de BPI Pro vous remercie d'avoir suivi ce Bibliogrill. Le prochain sera justement dédié à une innovation qui a touché les collections depuis quelques années, c'est le prêt d'objets. Merci bien sûr à nos collègues de la régie pour la préparation technique parfaite, la réalisation et la diffusion de notre discussion. Suivez notre actualité sur BPI Pro, sur notre compte Facebook, et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre newsletter. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir Mathilde. Au revoir, et au revoir aussi à Jérémy et Renaud à la technique.